Je vais vous faire un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors, durant ce tutoriel, je vais vous apprendre à recréer la Terre. Comme ça. Avec le fond, l'espace, un peu le soleil, la Terre avec les nuages, voilà. Ou bien sans l'espace. Alors pour ça, on va avoir besoin de Cinema 4D et on va refaire la Terre entièrement nous-mêmes. Avec... des images sur internet, je vous mettrai les liens pour les télécharger dans la description. Alors, on va aller sur le petit cube, on fait sphère, ensuite dans objet, segment, on va mettre 400, voilà, ensuite on sélectionne sphère, on se fait commande V, et on duplique 3 fois. Alors maintenant, on se place sur sphère 2, on met 101 sur sphère 1, on va mettre 101 aussi. Voilà. Alors, on va se mettre ici, on va double-cliquer, on double-clique. On va alors renommer la texture 1-du-bas texture. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire. Alors, on va aller dans couleur. On va aller ici. On va appuyer. Je vais chercher R. Voilà, bah, je vous mettrai un lien pour le télécharger dans la description. Vous inquiétez pas. Alors maintenant, ce qu'on fait, on fait ouvrir. Là, cette image ne figure pas dans le chemin d'accès. Souhaitez-vous en créer une copie à l'emplacement du projet? On fait oui. Voilà. Maintenant, on va aller sur... Ah oui, on va mettre en addition. On va... aller mettre dans les 50, voilà, 47, ici on va aller mettre dans les 50 aussi, 46, diffusion, on coche, alors, hop, on clique ici, alors, on recherche RF, map, ouvrir, oui, alors maintenant, au lieu de 100, on va les mettre dans les 70. Ici, on touche pas. C'est bon, voilà. Alors ensuite, on glisse notre texture sur la sphère 1. Maintenant. Vous voyez que si on fait un rendu, il y a rien qui a marché. Alors maintenant, on va faire une deuxième texture. On va la renommer de texture. On va aller cocher, on va décocher plutôt couleur. On coche luminescence. Alors maintenant, on appuie ici. On fait RF Close. Hop, oui. Là, l'intensité, on la met à 80. Hop. Alpha, on coche. On resélectionne RF. Close. On fait ouvrir. On fait oui. Voilà. Maintenant. Alors, clic droit ici. Clic droit sur la boule. Très grande taille. Maintenant, lueur, voilà. On va aller modifier un peu l'intensité. C'est un peu trop. On va mettre 5. Société externe, on va mettre 105.
Rayon, on touche pas. Domination, on touche pas. Fréquence, on touche pas. On peut fermer. Alors maintenant, la texture, on la place sur la sphère 1 et sur la sphère 2. Si on fait un petit rendu, on voit un petit truc pas très joli, hein, faut le dire. On va donc refaire une texture. On double-clique ici encore. On l'appelle 3 textures. On va aller sur luminescence, transparence. Lueur, on va modifier les réglages. Alors là, au lieu de 500, au lieu de 100, on va mettre 15. Au lieu de 500, on va mettre 550. Au lieu de 10, on va mettre 9. Voilà. Au lieu de là, on touche pas et on touche pas. Alors, on ferme et on place. Mince, j'ai oublié un truc. Là, on met 6,5. Hop là, voilà. Là, maintenant, on va aller placer notre texture sur la sphère 3. J'ai dû me gourer quelque part parce que là, ça fait un truc tout moche. Attendez, je vais voir ce qui va pas. Ah, immense. En fait, je me suis trompé, ouais. Attendez, hein, j'essaie de voir ce qui va pas parce que c'est pas beau du tout. Ah voilà, excusez-moi. Alors, en fait, le problème, c'est juste qu'on avait mis le rayon, l'intensité externe à 500, vous la mettez à 100. Voilà, vous pouvez fermer. Et on voit qu'on a notre terre avec les nuages. Ça rend un truc vraiment pas mal. Hein. Alors maintenant, on peut alors ajouter le petit soleil que je vous ai montré ici. Où est-ce qu'il est ? Le petit soleil là-haut là, moi je trouve ça classe. Alors je vais le mettre. Alors on appuie sur lumière. Ensuite dans lumière, ce qu'on va faire, on va aller sur lentille. Dans lentille, on va mettre soleil 1 et dans réflexion, on va mettre étoile 1. On voit. Ah mince, faut le déplacer, sinon ça fait rien. Alors ici, vous allez le mettre à peu près ici. Là, on le monte un petit peu. Tac. Tac. Et voilà le travail. On a notre soleil. Super classe. Alors maintenant, je vous ai montré hein, sur ici. Il y a l'espace derrière. Je vais vous montrer comment on fait ça, c'est super simple. Ce qu'on fait, c'est que... Mince. On va retourner dans Cinema 4D, on va faire... Là, sur le sol, on va se faire arrière-plan. Ensuite, dans arrière-plan, on va faire double-clic ici pour une nouvelle matière. On va faire texture, charger une image. Moi je vais rechercher espace, je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui le souhaitent. Hop, ouvrir. Et là, on fait non. On ferme, on glisse notre espace sur l'arrière-plan et tadam,
on voit qu'il y a l'espace derrière. Alors moi, ce que je vous conseille, hein, c'est pas trop laisser le soleil, sinon ça fait pas super beau. Histoire de... Non, encore zoomer, encore. Histoire qu'on voit que les rayons et qu'on voit pas vraiment le soleil. Genre comme ça. Alors, vous inquiétez pas, hein, ça, je vais vous montrer comment l'enlever. Alors, ce qu'on va faire, on va faire les sorties de réglage. On va aller sur sortie. On va faire écran 1920 x 1200. Il m'a enregistré. Vous l'enregistrez, vous voulez, par exemple, tuto. Vous faites enregistrer le câble. Moi, je vais mettre PNG. Voilà. Multipass. Tu bouges pas. Anti-aliasing, géométrie. Au mieux, 1 fois 1. 2 fois 2. Hop là, le reste, on touche pas. Et ensuite, on appuie sur rendu. Et voilà, le tuto est fini. J'espère que vous aura plu, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commander si vous avez des petits problèmes. Je vous mettrai mon site internet dans la description si vous voulez une intro ou autre. Et en attendant, bah, je vous dis à la prochaine.